dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Foutu terroriste. Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Raymond. Le cadavre que t'as vu tout à l'heure. Envoyez une équipe à Vaikkonen Moki. Il faut trouver ce bateau, Brian. Je vais envoyer Quint et Kiss. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ah. Amenez tout ce que vous trouverez sur Veltro. Ici le Jackass. On est à l'aéroport de Vaikkonen Moki. Ici Forkball, bien joué. Faites un repérage de la zone et poursuivez votre mission. Alors, comment vous voulez qu'on procède, O'Brien ? À vous de voir. Faites comme bon vous semble. Vous en avez mis du temps. Eh, au moins on est là. Quoi de neuf sur Veltro ? Je sais pas. On n'a rien trouvé. Pas d'indice. Rien. Et donc ? Il y a une pièce souterraine. On s'apprête à la prendre d'assaut. Bien ! C'est un boulot rêvé pour nous, ça, hein, Grinder ? Eh, attendez, on n'a pas encore reçu le feu vert. C'est bon, on s'en occupe, ok ? Et puis, quand il s'agit de remonter une piste, mon copain, là, c'est le meilleur. Eh, hey, je suis juste là, Grinder. Alors, t'as suivi Jessica chez elle ? Tu sais où elle habite ? Presque. Je l'ai suivi jusqu'au bout, mais je l'ai perdu près de... Hé ! Tu me prends pour un pervers, c'est ça ? Tu m'étonnes. Allez, en avant. Ouais. On dirait qu'un truc va surgir. Fais gaffe où tu marches, on doit rester discret. Ouais, je sais. Eh bien, salut tout le monde, c'est Xavier. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Encore une fois sur Biohazard Revelation, son nom japonais. Hein. Là, j'avais compris pourquoi il l'avait appelé Resident Evil à la place de Biohazard, parce que Biohazard, c'est supposé faire référence à une attaque de virus ou autre. Alors que Resident Evil, je sais pas, c'est... J'aurais voulu tomber ce con. C'est pas toi qui disais qu'il fallait être discret. Ouais, bon, même les meilleurs font des erreurs, ouais. Bon. Dites-moi que je rêve. Allez. Alors on a quoi comme... Oula, mais on est bien armés, dis donc, avec eux deux. Voilà. Je vais faire un petit check. Bref, donc voilà, on joue avec 12 autres personnages. Oh! 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 Stylé! J'aime! Accès de machette là. On va appeler El Machete! Bon, pour le moment, la personne. Je sais pas s'il va falloir aller ici. C'est bien vissé! Ah bah oui, j'ai oublié de prendre. Tout de suite! Hein? Ah ah! Ça va pas! Me dis pas que tu l'as perdu. Bon, alors il est où? Je suis sûr que je l'avais il y a une seconde. Attends, je parie que tu l'as perdu en trébuchant. Oh, vous êtes pas sérieux là. Vous êtes pas sérieux là. Oh là là, ils sont pas sérieux, faut tourner en arrière. J'espère que je vais le faire agresser en allant en arrière. C'est obligé, je vais le faire agresser. Bon. D'accord, ça servait à rien de revenir en arrière en gros. Donc tu me dis qu'il l'avait en trébuchant. Il a trébuché ici. Juste ici. Ah. LOL. Je suis con. Okay. Et voilà. T'es vraiment un boulet, tu sais ça. Désolé, Grinder. Oh là là.
doit faire au moins 3 mètres. De la neige partout, une station isolée et une créature qui attaque le personnel. J'ai dit, on parle pas de film. Allez, on va faire une petite séance piraterie encore une fois. Bah dis donc, c'est ça la piraterie dans les années 2005. Pas glorieux. Hein. Bon. Logique. Merde. Bon, attendez. Hop. 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 Ok. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire ça alors? Attendez. Voilà. Voilà. Pas difficile. Bon. Munition pour la mitraillette. C'est tout. On va peut-être pouvoir débloquer la zone verrouillée. Allez. Voilà, tape n'importe comment, comme dans tous les jeux vidéo, mais ça ouvre la porte. Et ça c'est beau. Hein? Les caméras ont filmé quelque chose. C'est ce que j'ai récupéré grâce aux caméras. C'est un cargo, ça. Est-ce que tu crois que c'est Veltro? Oh! T'as vu ça? Une arme biologique? Ils ont un petit problème. Continue comme ça, et... Oh! Ils pouvaient pas s'en sortir. D'après l'heure, ce crash s'est passé en même temps que celui que Chris a signalé. C'est ici? J'ai l'impression que c'est... C'est quoi ce truc? C'est un poltergeist! Hé, Quint! Je change de caméra. On va voir où ça va. Il est vivant, celui-là. Chut! Tais-toi! Hé, c'était quoi, ça? Je t'ai dit de te taire! Oh! Quoi? Il y a un truc là-dedans! Je sais pas quoi, mais on peut pas le voir! Oh! 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 Oh, dégueu! Il a pas fait tomber un truc. Cette vidéo est vraiment réservée à un public adulte. C'est un vrai film d'horreur. Une des victimes a laissé ça là. C'est quoi? Super, on va affronter un truc invisible. Ah bah ça va être glorieux. Hein. Hey. C'est l'endroit qu'on voit dans la vidéo. Je suppose qu'on pourra scanner ou un truc dans le genre, mais je suis pas sûr. Une empreinte. Ah, au moins eux, ils sont partis bien équipés. C'est déjà pas mal. Un petit truc. Bon, on va quand même lire vite fait s'il n'y a pas un code. Ok, il n'y a pas de code. Et y a pas de gun non plus. Ah, 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 ah. Eh ben, c'était ici. Il est où le truc qui l'a fait tomber? Cet homme de la vidéo, je n'ai jamais vu de telle blessure. Il y a perdu un truc au moment de mourir. C'est où? Il va falloir chercher, gros. C'est là. Non, c'est pas là. C'était où? Ah, peut-être là. Voilà, jet de sécurité. C'est un jeton de sécurité. Je devrais pouvoir pirater le réseau principal de l'ordinateur de l'avion si j'arrive à extraire le code web de cette clé. J'ai rien compris. Mais vas-y, fais-le. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cargo. Là, j'ai compris. J'en ai vu assez. Allons sur le site du crash. C'est tout? C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait? Bon, on va sauvegarder vite fait. Bon, voilà, c'est la fin de l'épisode. Non, j'y conne. Ah, vous y avez cru, hein. Vous y avez cru, hein, que j'allais arrêter l'épisode ici, hein. Suivant.
vient ce bruit? De l'eau? Ouais. On dirait que ça vient de là. Bon. Donc on rejoue avec Miss Booty d'enfer. Et on va aller... Ah, il y a une empreinte là-bas. Alors, bon, il y a deux entrées apparemment. D'où vient la fuite? Pour tu vas trop. Ils essaient de faire couler le bateau et leur nouveau virus. Je sais pas si c'est de faire, mais moi ça me plaît pas. Bon, au moins j'ai mon copain avec moi ce coup-ci. Ah, nickel. Je vais pouvoir prendre mon pompe. Ou pas. Attention, il y a une voie d'eau dans la cale. Ok, il y a une voie d'eau dans la cale. Les radios ne peuvent être abaissés lors d'une panne d'électricité. Rétablissez le courant depuis la salle des machines. Il faut trouver la salle des machines et vite. Trouver la salle des machines. La salle des machines, tu vois que c'est par là. Oh, des caisses. Alors, par où? Par là. Encore de la flotte. L'eau continue de monter. Allez, y a pas de temps à perdre. Allez, y a pas de temps à perdre. Oh merde. Saloperie. On va même pas s'aboter dans l'eau, gros. Bah oui. Captain Obvious. Ah bah oui. La vapeur va me tuer. Aïe 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 aïe. C'est cool. Je monte pour retourner dans l'eau. On va se dépêcher quand même. Ah! Lâche-moi! Non! Pas de câlin! T'as un pont, pourquoi tu t'en sers pas, connard? Ah putain, y'en a un deuxième! Dieu. Saloperie. Bon, apparemment j'ai trop de mun. C'est pas trop mal. On va aller par là plutôt. Parce que l'objectif dit que c'est par là. On va aller par là. Ça, c'est un coup à faire tomber un monstre. Ah bah non, pas de monstre. Ah, l'appareil, mais il est coincé. Coincé. Vite. Alors, voyons voir, c'est quoi ça? C'est. Donc voilà, ça va éteindre la vapeur. Ça n'a pas éteint la vapeur que je voulais. Je fais ça, ça fait quoi? Ça remet à zéro. Et ça remet la vapeur en bas. Donc en gros, dans tous les cas, je suis quand même baisé. Dans tous les cas, je vais devoir abaisser le levier et me rebarrer en bas. Parce que je dois accéder au deuxième levier qui est là-bas. Je suppose que si on tire dessus, ça marchera pas, bien sûr. Bon, c'est ici qu'on réactive le courant, mais rien ne fonctionne. Je vais essayer de trouver une solution, ok? Ouais, trouver une solution pendant que moi je vais galérer tout seul dans la flotte, vas-y. Pas de problème, j'y vais. Bah, je m'en doutais. Ça s'inverse.
Ça pue ça. Sans venir les monstres. Y'a rien, ok. Ah, il y a quelque chose par terre. Ah, une carte. Ça va pas franchement m'aider parce que moi j'ai pas le sens d'orientation. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Qu'est-ce que c'est que cette porte? Kenner, je me demande à quoi ça sert. Bah t'as pas compris qu'il fallait un rouage. Ça se voit à 10 km, bah oui il manque un rouage. C'est quoi Zoé? Qu'est-ce que c'est? Bon, je tente quoi là? Je tente un sprint. Je spam la touche. Là. Je sens que je vais me faire agresser ici. Ouais, je savais. Wouh! Allez, lâche-moi! Meurs! Ouf! Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt reprendre quoi, mon pistolet. Ça sert pas à grand chose d'avoir. D'avoir deux armes du même type, je trouve. Et là, j'ai un Hog. Ça rigole plus, j'ai un Hog. Ah, bien sûr, allez hop. Pour eux, c'est pas les plus dangereux. On va juste courir et basta. Prendre l'herbe au passage. Ah! J'ai rien dit, ils sont dangereux quand même. Autre personne? Non? Tant mieux. Bon. Quel côté? Par là. Oh! C'est bon. J'y suis. Attends! Ouais, une mitraillette. Ouais, quoi dans le bouquin? Il faut utiliser deux clés, vous savez quoi? Bon sang. Donc ça, je suppose que je dois éteindre. Comme ça. Hop, on est en B. Et ça éteint le truc au-dessus. Mais ça rallume le truc en bas. Ok. Pas grave. Allez, gros! En même temps! Il n'y a pas de clé! Oh merde! Ah bah oui. Je crois qu'il faut les activer tous les deux en même temps. Alors il nous faut cette clé. Chercher la clé de démarrage. Oh putain. Attendez, il disait quoi le livre sur la clé? Alors ça des machines, juste au cas où j'ai mis la clé, vous savez où? Vous savez ce que ça veut dire? Non, bon sang, il est temps de mettre les doigts dans l'engrenage. Engrenage, merde. D'accord, c'est le... C'est le saloperie de... de grosse porte là. Ça ne s'ouvre pas. Ah bah c'est ballot. La question. C'est par où je vais passer alors. Bon. Ça a l'air bon. Sur le bras, je l'ai juste ici, je l'ai même pas vu. Putain, je dois faire quoi là? C'est quoi cette embrouille là? Je dois aller où maintenant? Bon, c'est pas dans la cale, c'est dans des machines, c'est forcé. Bon. Ça va être la séance où je vais vous ennuyer plus, je crois.
Bon, c'est pas ici quand même. En tout, je repasse un coup de scan. Non. Y'a rien ici. Y'a rien là-bas non plus. Donc. S'il faut l'engrenage et que c'est pas ici, que la porte en bas elle est fermée, on peut pas avancer, faut forcément que je revienne sur mes pas. Non, j'ai une question, qu'est-ce qui se passe, j'active ça? Ces chats toujours ici, elle s'est peut-être arrêtée ailleurs. Ah oui. D'accord, c'est là où est-ce qu'elle avait dit. Oh mon dieu, ça va me tuer! Mais je me rappelle plus où c'était. C'est le problème. Je me rappelle plus où c'était. Bon, ce qui est clair là, c'est que c'était pas droit devant moi. C'était forcément ici, plus loin. Ce qui est ici d'ailleurs. Ah, il y avait une herbe. J'ai même pas vu. Voilà, ça doit être ici normalement. Ça va pouvoir s'arrêter ici. On a l'engrenage. On a une grenade choc. Allez hop! On tourne. Et ça ouvre partout. Donc maintenant je peux retourner en arrière. En priant je ne sais qui. Que je ne vais pas me faire agresser. Oula, casse-toi connard. Vite. Ouh! Vite, cours. Voilà, on y est. Jill, rien ne fonctionne là-dedans. Je vais tenter de réparer ça. Je t'appelle si ça marche. Bah oui, vas-y, tente de réparer ça. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai l'impression que c'est le but de cette mission, tourner en rond. Ah non! Lâche-moi! Lâche-moi, saloperie! Un kick! Il y en a un autre au fond. Je peux pas escaner, dommage. Toi par contre j'ai pas besoin de te scaler pour comprendre que tu vas faire chier. D'accord, il leur faut des balles maintenant. Ça donne qu'un point à chaque fois que je les scanne. Putain, fais chier quoi. La. Maintenant on peut mettre l'engrenage ici. Oh, le rouage s'est bien mis en place. Et maintenant on appuie sur le bouton magique. Ta-ta-ta, et voilà la clé. Et tu t'es fait chier pour l'avoir, cette clé. Non. C'est réparé. Rejoins-moi dans la salle des machines. Ben oui, hein, tout ça à faire, de toute façon. Allez. Dépêchons-nous. Alors, normalement, logiquement, la salle des machines, je peux rentrer par ici. Hop. Voilà. Et toi en position. Mais oui, j'ai repris la clé, sinon ça va. Et voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va mourir noyé! On n'a plus beaucoup de temps! Bon sang! Jill! Ça s'arrête pas! Et Jill périt noyée comme une salope.
Je vous disais bien qu'il n'y avait rien à faire ici. Allez, peut-être qu'on va arriver au chapitre 4, enfin chapitre 6 après celui-là. Voilà. Allez, suivant. D'accord, je comprends la situation. Le jeton de sécurité que vous avez trouvé provient sûrement de l'avion cargo. Chef, vous avez des nouvelles de Jill et Parker ? Non, pas encore. Leurs recherches les ont menées en pleine mer. Mais nous avons perdu toute trace du bateau. Ce ne présage rien de bon. J'espère que ça ira. Ouais, moi aussi. Ils ont disparu depuis trop longtemps. Je commence à m'inquiéter. Trouvez un ordinateur sur le site du crash et essayez de découvrir ce que Veltro prépare. Le site du crash est derrière. Allez! Petit Grinder, ce serait pas super si on résolvait cette mission? Il fait plutôt clair dehors, vu l'heure. Ça doit être ça, le soleil de minuit. Ouais, soleil de minuit avec des toutous. Faux, parce que c'est des loups et que leurs crânes vont pas s'ouvrir. Meurs, meurs. Allez, Nigo. Bon, moi, je suis lourdement armé, c'est déjà pas mal. Grinder, je vais voir les ordinateurs. Amuse-toi avec eux. Oui, bien sûr. Bah, te barre pas comme ça. Quel gros geek. Ah bah oui, hein, c'est la mode aujourd'hui d'avoir un geek hein, dans une équipe de militaires surarmés et surentraînés. Hein. C'est la mode. Hein. Allez, Grinder, qu'est-ce que tu fous? Putain, je suis derrière toi, gros con, là. Fais pas chier. Je suis un black ou je suis... Hein? Oh, du calme. Qu'est-ce qui te prend? Un truc. Je sais pas, un truc m'a frappé. Quoi? Hey, on vient de me frapper! C'était peut-être l'homme invisible! Je te jure! T'es sûr? C'est un Ritter! Il est disparu! Je comprends mieux ce qui se passait sur ce... Oh fuck! Le fantôme, c'est un nouveau type de Hunter! Merci pour l'explication. Je t'ai dit que ça craignait. Oh merde! Comment je fais pour le viser si je le vois pas? Non! Putain, ils sont chauds! Un de moins. Ce qui en fait, je sais pas, les buts sont invisibles. Oh, c'est craint mort. Et encore un de moins. Quint, il en reste combien? Je t'ai dit, je sais pas, mais ils sont invisibles. Ça craint mort. Vite, casse-toi, gros! Putain, ils sont beaucoup là quand même, hein. Ah la 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 la. Putain. C'est bon ? Qui en a plus. Le terminal de l'avion avant que d'autres monstres ne se pointent. Des hunters invisibles. Ah ben je dis bravo Capcom hein.
Oh là là, déjà qu'il me foutait les boules dans le 1, mais alors là, si vous les mettez en invisible. Bande d'enculés. Ah ouais, franchement, bravo. Putain de Hunter invisible, quoi. Ah, c'est comme si le Slenderman se téléportait devant vous tous les 10 mètres, quoi. Ah mais attendez, il fait déjà ça, il me semble. Oh, de l'herbe. D'accord, je veux bien en affronter un ou deux en invisible, mais 5, c'est bon, quoi. Chiche qu'on va encore en réaffronter. Chiche qu'on va encore en réaffronter. Ah là 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 là. Ah mais attendez, il fallait dire ordinateur. Je suis con. L'ordinateur, il doit être quelque part ici. C'est ça. Ok. Tout a l'air de fonctionner ici. Allez, Quint. À toi de jouer. Je trouve pas les transmissions. Bon, je vais essayer autre chose. Eh ben. T'es doué avec les ordi. En revanche, pour les femmes... Grinder, qu'est-ce qui se passe? On doit joindre le QG tout de suite. Ici le QG. O'Brien, j'écoute. Qu'est-ce qui... Ici Jackass. J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie. Bon travail. J'aime bien ce genre d'appel. Bravo. Bien joué pour les coordonnées. Ouais. J'aurais pu calculer la distance du dernier trajet connu, mais ça aurait pris trop de temps. C'est pour ça que j'ai dit bravo. Mais t'as pas compris? J'ai calculé que dalle! On n'est pas les seuls à chercher ce bateau. Attends, de quoi tu parles? Tu veux dire que Veltro a fui sa propre base et que maintenant ils cherchent leur bateau? C'est exactement ça. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si les infos que j'ai trouvées sont fiables ou pas. Génial. En fait, on sait toujours pas à qui on a affaire. Exactement. Et c'est une pièce très importante du puzzle. Ici Chris, j'ai reçu les coordonnées. C'est tout prêt. On peut y être rapidement. O'Brien, on y va. Bon, ben voilà! Ouais, bon, on va s'arrêter ici, hein. On a fini chapitre 5. Je sais pas de combien de temps. Je sais pas combien de chapitres il doit y avoir. Je crois qu'il doit y avoir 12 ou 15. On est déjà au 6. Donc ça devra aller vite, hein, pour le finir, je pense. On verra, hein. Parce qu'apparemment, il faut une dizaine d'heures pour le terminer. Ben, on verra, hein. Enfin, ça sera toujours moins pire que Resident Evil 6 à trentaine d'heures, là. Oh là là. Bref, mes loulous, en tout cas. J'espère que cette nouvelle partie vous aura plu. En tout cas, Hunter invisible, ça envisage rien de bon, franchement. Mais franchement, rien de bon. Ça va me stresser encore plus. Comme si c'était déjà pas assez avec Rachel, faut en mettre en plus des Hunter invisibles qui sont encore plus durs à tuer que les Hunter normal, hein. Normaux, pardon. Ah là 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 là, Capcom. Jouer avec mes nerfs aujourd'hui. Bref, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais pas le foutu partout, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la attitude, comme d'habitude, avec Gertrude et pour le cul. Sur ce, je vous laisse plein foutu partout et je vous dis à la prochaine, je vous adore, vous le savez très bien. Allez, sur ce, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 6. Ciao, bye, et peace.